et Sarasate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi. Je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier, c'est la nuit que je m'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nuit intégrale après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme haut, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie. Et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on fait ça avec humour, en répétant des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondule. Ce qu'ils croient être nous, ils se couvrent les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divins, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibés me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. Je rentre retrouver mon lot de solitude. J'entends mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu. Mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme haut, comme il dit. Et oui, c'était Théa.